Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Donc, la réforme des retraites, les débats débutent en hémicycle au Sénat aujourd'hui. Ça sera fini avant le doulma, 12 mars, et vous nous le promettez, ça sera voté Le dimanche, 12 mars à minuit, euh, j'espère bien que le Sénat aura voté, dans le sens qu'il souhaitera, mais aura voté en tout cas le texte, oui. Avec un rendez-vous le 7 mars pour l'article 7. 7. Oui. Ça c'est l'article sur les 64 oui, ans. Symbolique, oui, la gauche oui. vous a demandé ça. Les groupes de gauche souhaite absolument que la journée du 7 au Sénat soit une journée de débat sur l'article 7, celui sur les 64 ans. Donc nous avons accepté parce que au Sénat euh, la majorité est ce qu'elle est, mais nous travaillons en bonne harmonie. Donc euh, je souhaite qu'effectivement ça se passe bien. Alors le Sénat apporte des corrections, par exemple pour les femmes qui ont eu des enfants, un bonus. Ça va coûter cher, non oui, mais d'un autre côté, euh, la politique familiale et les mères de famille méritent qu'on les soutienne, méritent qu'on décompte leur trimestre pour les 43 annuités. Pourquoi bah parce que, justement, pourquoi est-ce qu'on fait une réforme des retraites Parce que le déséquilibre entre les actifs et les retraités est extrêmement important. Donc, si nous soutenons les mères de famille, nous soutenons la natalité, nous soutenons l'avenir du nombre d'actifs. Autre changement qu'apporte le Sénat, celui-là passe moins bien, la fin des régimes spéciaux. Le gouvernement propose la clause du grand-père, bah ça met 43 ans pour disparaître. Vous, vous voulez aller plus vite. C'est peut-être pas le moment, non alors, quand on dit aller plus vite, du calme, je rassure tout le monde, on envisage une convergence, nous, sur 20 ans, ce qui n'est pas exactement une précipitation excessive. Mais là-dessus, les choses sont dites entre les groupes républicains et centristes du Sénat, les centristes étant plus réticents. Problème d'opportunité, dit Hervé Marseille ce oui, matin. Oui, hein. mais il faut il faut qu'on regarde, Nous, pour nous, l'essentiel, c'est 64 ans, 43 annuités et une justice réelle sur l'équilibre de cette réforme. On va pas faire une maladie sur la convergence, on va la défendre. Si les centristes votent avec nous, on trouve un juste milieu à 25 ans, à 30 ans, très bien. On trouve pas, eh bien, on, on acceptera la suite. Il y a le principe, ils ont été embauchés avec un régime spécial, oui, oui, ces gens, on leur dit 15 ans après, ah ben non, je finalement, suis, il est plus là. Donc. Je suis d'accord, c'est pour ça que nous, nous laissions une convergence longue. Hein. Euh, à un moment, c'est vrai que les gens sont rentrés dans des entreprises, on leur a dit Vous, vous avez un régime particulier avec une retraite à 57 ans, etc. C'est vrai que si vous leur dites à 40 ans, bah, euh, vous pensiez prendre votre retraite dans 17 ans, finalement c'est dans 20 ans ou 22 ans, c'est pas très juste. Donc il faut qu'on trouve un système. Et on avait imaginé, évidemment, s'il y avait convergence, qu'il y avait des compensations salariales, des compensations en trimestre. De cotisations en plus, etc. Donc, bon, si on trouve une solution acceptable pour tout le monde, y compris pour les travailleurs de ces secteurs, très bien. Si on trouve pas, on avancera quand même. Alors, le Sénat veut aussi la majorité sénatoriale créer un CDI senior. À oui. quoi ressemblera-t-il Alors, le CDI senior, c'est extrêmement simple. C'est de dire au-delà de 60 ans, une entreprise s'engage à prendre quelqu'un et à l'accompagner jusqu'à la retraite à le prendre à 60 ans, s'il pense à retraite à 64 ans, à le conserver 4 ans. On exemple de, on exempte l'entreprise de cotisation familiale, donc l'emploi, le, le, si je puis dire, coûtera moins cher à l'entreprise, mais le senior aura la garantie d'avoir un job. Un emploi jusqu'à sa retraite effective. Ça vous permettrait de supprimer cet index senior de surveillance des entreprises ouais, L'index senior est pas très bien passé. Beaucoup d'entreprises nous disent que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on est en train de réfléchir. Euh, nous, nous avons, euh, au travers de la Commission des Affaires Sociales et du rapporteur, un amendement. On va voir ce que ça donne. En disant que l'index senior ne serait euh, imposé que dans les entreprises de plus de 300 salariés, c'est-à-dire une grande entreprise qui peut, qui peut effectivement. Qui a les moyens de faire cette administration les petites et moyennes entreprises, c'est vrai que c'est une surcharge. Vous ne craignez pas que le CDI senior bah, empêche les jeunes de rentrer dans l'emploi Pas du tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il euh, y a une difficulté d'intégration des jeunes dans l'emploi. Mais ça, il y a beaucoup d'efforts déjà qui sont mis en place euh, pour, pour y participer. Je, je, serais plus tenté de dire aujourd'hui, on a plus intérêt à changer la nature de la relation entre beaucoup de jeunes et le travail. Et ça, c'est autre chose. C'est pas sur le système des retraites qu'il faut compter. Alors, si le Sénat arrive à voter cet article et ce texte complet avant le 12 mars, il y aura une commission mixte paritaire sur la base de ce texte. Vous n'êtes pas très éloigné du gouvernement. Ça pourrait aller assez vite derrière l'Assemblée. En acceptant votre texte. Ah bah. Euh, ça, je peux pas dire ce que fera l'Assemblée, mais euh, nous, si nous votons ce texte le 12 au soir, il y aura effectivement une commission mixte paritaire, sept sénateurs, sept députés. Je pense que là, on peut trouver un accord, en tout cas sur la base du texte qui sera voté au Sénat. Après, l'Assemblée verra. Euh, quand j'ai vu le, les débats première lecture à l'Assemblée, ça me rassure moyennement, mais euh, bon. Je pense que de toute façon, Ils peuvent tout avoir monde compris. Indien... oui, oh bah ça ce serait ça relèverait de la lumière mais euh, bon, j'espère en tout cas que chacun sera responsable. Et de toute façon, on y reviendra sur les retraites dès la campagne mais présidentielle de 2027. Mais dès 2027 et puis soyons francs, moi j'ai déjà dit lors des réformes de 2003 et de 2010, vu l'évolution démographique, ne rêvez pas, il y aura une réforme des retraites tous les 10-12 ans. Parce que c'est comme ça, parce que le monde change, parce que la démographie change, parce que le sol migratoire change, parce que l'ensemble les, 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 même des, des systèmes de travail changent. Donc forcément, il faut imaginer et penser que la retraite, ce sera un mode évolutif. D'autres textes sont dans le tuyau et vont arriver non. un jour au Sénat. Par exemple, la loi immigration, ça oui. va même commencer 97. par le Sénat. Oui. Régulariser les migrants illégaux, mais qui travaillent et qui n'ont pas commis d'actes de délinquance, c'est une demande des entreprises, des employeurs. Pourquoi vous vous y opposez-vous à droite Parce que, par définition, euh, c'est pas du tout notre ligne. C'est-à-dire que ça n'est pas correct de dire que des gens qui sont rentrés illégalement irrégulièrement sur le territoire national seraient régularisés à quel niveau Qui définit les métiers en tension, le gouvernement Qui définit les quotas de régularisation, le gouvernement Les chambres de commerce savent non, que non, dans non, la non, restauration, l'hôtellerie, on manque de bras, non, on est content de les trouver. Nous nous avons déjà dit que nous étions et moi j'avais fait voter par le Sénat il y a déjà 3 4 ans la mise en place de quotas professionnels. C'est simple. Le gouvernement n'a qu'à dire au Parlement, définissez des quotas professionnels. Il manque des gens dans, je sais pas, le bâtiment. Eh bien, on dit, on accepte tant de migrants qui peuvent travailler dans le bâtiment. Tant de migrants qui peuvent travailler dans tel secteur. Si ça n'est qu'une question économique, on peut trouver des solutions. Mais en tout cas, le côté régularisation, sans savoir combien, sans savoir ce que sont les métiers en tension et qui les définit, c'est non. Autre chantier lancé, la réforme des institutions qu'envisage Emmanuel Macron. Il consulte. Alors je vous vois sourire. Euh, le Sénat en a bloqué plus d'une. Vous continuerez. Avec une allégresse rare si ça ne nous convient pas. Euh, moi j'ai conduit, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy et avec Rachid Dati à l'époque, euh, la réforme institutionnelle de 2008, où nous avions la majorité à l'Assemblée et la majorité au Sénat. La réforme est passée d'une voix. Au 3-5e au Congrès. Euh, au 3-5e en Congrès. Donc euh, je dit seulement au gouvernement, quand vous êtes très minoritaire à l'Assemblée et que vous êtes minoritaire au Sénat, comment dire Faire les trois cinquièmes, ça relèvera euh, du plus haut sport. Pas... Il y a le référendum sauf... Oh, bah ben alors là, euh, si le, le président de la République veut aller au référendum, euh, bienvenue. Ce sera une bataille politique sympathique. Alors, sauf, disiez-vous ah ben, sauf si... Si, si la réforme, elle est écrite par le Sénat. Euh, auquel cas, bon, on peut discuter. Mais. Franchement, est-ce que en ce moment, tous les jours, quand se levant, les gens pensent, il faut réviser la Constitution Vous croyez que c'est sincèrement le problème Les problèmes, c'est l'emploi, c'est la retraite, c'est l'immigration, c'est la sécurité. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des aménagements, oui, qu'on fasse penser au pays que ce qui est essentiel maintenant, c'est la réforme des institutions. Je n'y crois guère. Alors après, qu'on ingère un, un peu de, de proportionnel, un, un rééquilibrage. Bon, moi, j'attends plutôt. Une vraie étape de décentralisation. C'est ça que les gens attendent. Que, que réellement le pouvoir revienne aux collectivités locales, qu'on ait une vraie décentralisation, que la proximité, ça ait de la valeur. Aujourd'hui, franchement, changer les institutions nationales, non. L'application, oui. Comment est-ce qu'on est président de la République Comment on respecte le Parlement Qu'est-ce que c'est qu'un parlementaire Ça, c'est un vrai job. Ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est pas la réforme des institutions, c'est la réforme de la mentalité politique. Le président de la République est en voyage en Afrique. Il annonce la réduction de la présence militaire française sur le, sur le continent. Est-ce que vous soutenez cette adaptation à une situation géopolitique nouvelle bah, Je serais tenté de dire qu'il annonce d'autant plus une réduction de la présence militaire qu'on nous fout dehors. On vient de nous jeter du Mali, de Centrafrique, du Burkina Faso. Qu'est-ce qui cloche? Bah, ben, qu'est-ce qui cloche? Il cloche que on peut pas avoir euh, des, des politiques contradictoires. On, on s'est laissé, pardon de le dire comme ça, on s'est laissé, laissé bouffer euh, par les, d'abord par les Américains en réalité, hein, puis par les Chinois au niveau économique. Les Chinois qui ont mis des capitaux considérables sur la table pour acheter des ports, pour acheter des infrastructures, alors que nous, euh, nous on disait euh, aimer la France. Enfin, on met pas trop d'argent. Mais on avait plus les moyens. Alors, on a Plus les moyens. Alors ça c'est autre chose. Si on dit la France n'a plus les moyens de concurrencer les Américains, les Chinois et Wagner, c'est autre chose. Mais qu'on ne dise pas, euh, moi je veux pas de France Afrique sous prétexte de dire c'est une nouvelle politique. Ah, C'est peut-être une adaptation au fait qu'on n'a plus les moyens d'être les partenaires privilégiés de beaucoup d'États africains. Alors au moins, soyons des partenaires fiables. Hein. Je le dis parce que je suis vice-président du groupe France-Maroc. Et, et je constate que, par exemple, l'attitude en ce moment de la France par rapport au Maroc n'est pas digne. Pourquoi euh, Le Marocain nous envoie de, de la drogue et des oui, illégaux non, 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 le Marocain ne nous envoie pas de la drogue. Qui est des Marocains illégaux et qui est des Marocains qui fassent du trafic de drogue, ce n'est pas, pas le Royaume du Maroc qui les envoie. Mais le Royaume du Maroc euh, est notre allié depuis longtemps, a des partenariats très clairs euh, sur le renseignement, sur la lutte contre le terrorisme, sur un certain nombre de sujets. Franchement, bon. On ne traite pas ces. Vous savez, c'est toujours pareil. Euh, quand le président de la République ou quand on voit ce qui se passe dans d'autres États africains ou on nous met dehors. Si vous voulez être respecté, soyez fiable. Mais on a dû aussi traiter l'Algérie avec, oui. avec elle, il y avait de la réconciliation. Eh c'est ben, peut-être ça aussi. Juste Si on traitait la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et il n'y avait pas de drame. Eh bien, essayons d'avoir toujours cette attitude équilibrée. La diplomatie à la Macron, c'est un peu déséquilibré. C'est un peu déséquilibré. Ça l'était déjà depuis même le quinquennat précédent. J'avais interpellé, moi, déjà à l'époque Le Drian, sur la politique française en Afrique, sur la disparition de l'influence française en Afrique. J'ai eu des réponses, pardon de le dire, euh, qui n'étaient pas au niveau. Est-ce que nous devons, est-ce que la France doit livrer des avions et des missiles longue portée aux Ukrainiens, alors qu'ils subissent des revers en ce moment Là, je, je serais bien, bien audacieux de répondre à la place de l'état-major bah, français. On entend Claude euh, Maluret au Sénat oui, qui répond, lui. Hein. Il oui, dit oui, oui, euh. oui, 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 oui. Euh, moi, je, je soutiens évidemment euh, l'Ukraine. J'ai reçu avec le Gérard Larcher le président de la RADA, des ministres ukrainiens, etc. Et nous, au Sénat, on a très clairement manifesté notre soutien à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au missile la longue portée Ce qui voudrait dire qu'en réalité, l'Ukraine pourrait porter la guerre sur le territoire russe. Oh. Hum, bon. Là, c'est une décision qui ne m'appartient pas et je, je n'irai pas au-delà de ma condition. Roger Karoutchi, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. Et demain, votre invité Christophe sera Michel Tabarot, député des Alpes-Maritimes, vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale.